Alors, mon inspiration pour trouver les titres, c'est pas tellement l'impertinence, mon moteur, c'est plus que je trouve que la vie est trop courte pour ne pas se marrer et j'essaie de dédramatiser le quotidien avec, en détournant des trucs drôles et c'est comme ça que je fais mes titres. Donc Gaspard est en fait au départ un faire-valoir pour Simon, c'est-à-dire il me permet de le mettre en valeur dans des moments où j'en ai besoin sur le plan narratif. Et en même temps, il me permet de traiter d'histoire de plus petit, quoi. Non pas de dos, c'est un livre, c'est assez marrant en fait quand on travaille. Moi, je ne sais pas forcément où je vais. Je démarre une histoire avec une thématique qui me plaît. Et au moment où je termine le livre, souvent, c'est un rapport avec quelque chose que je vis, justement. Et là, en l'occurrence, c'était le départ de mon fils aîné. Louis qui quittait la maison et il a été très très proche de son frère Jean et ça a été comme c'est un livre qui lui est dédicacé du coup, mais c'était pas pendant l'écriture, c'est vraiment une fois le livre fini quand je l'ai reçu, enfin je me suis dit voilà il est, mais c'est vrai que c'est très, enfin j'en ai des frissons quoi là, c'était pas voulu au départ en fait, moi je travaillais pas en me disant tiens comment je vais aider l'enfant à passer tel cap. J'ai quelque chose dans l'actualité ou en moi, une colère ou une joie ou quelque chose me pousse à écrire. Et ensuite, je décale et je me dis qu'est-ce qui a pu arriver à l'enfant. Donc c'est un peu comme ça que je travaille. Alors, Cacaboudin a été traduit par les éditeurs néo-zélandais par Poubam, qui est pour moi une consonance un tout petit peu forte. Moi, j'aurais plutôt traduit par poop di poop ou quelque chose de doux, parce qu'en fait, cacaboudin, c'est assez dur à traduire à l'étranger parce qu'il n'y a pas cette connotation de comme bébé cadom, un peu de choses un peu très enfantines et douces, mais qui est un peu limite, mais qui est pas non plus, qui sont vraiment des mots d'enfant, quoi. Ça a du mal à. Enfin, la traduction exacte, c'est pas simple. Alors, la série télévisée, j'y travaille. En fait, c'est une collaboration. Je suis très contente du résultat parce que c'est en 2D. Donc, au départ, ça devait être en 3D, donc en volume. Et là, c'est proche de mon dessin, donc je suis vraiment contente du résultat. Et on travaille en collégial, c'est-à-dire on écrit les scripts à plusieurs. Donc, c'est un vrai deuxième boulot, j'ai envie de dire. Mais là, c'est en train de s'arrêter pour moi l'écriture et je me rends compte de. Ça donne une deuxième vie à Simon, c'est-à-dire il bouge, il parle et tout ça. Mais je me rends compte surtout de la liberté que j'ai dans mes livres, que j'ai pas du tout à la télévision. Un livre, c'est très précieux. Parce que le livre, pour les petits, il y a le parent qui permet en fait d'introduire une notion ou de faire tampon, d'expliquer quelque chose, alors que la télévision, souvent, les enfants sont livrés à eux-mêmes, donc il y a une censure énorme qui est compréhensible, mais du coup, sur le plan de la création, on est très limité, quoi. Et dans mes livres, je suis totalement libre d'écrire sur toutes les thématiques qui me touchent, sans censure, quoi. Moi, je me considère plus comme un appareil photo, c'est-à-dire que je pense que je retranscris dans mes livres. C'est peut-être un peu prétentieux, enfin, j'espère que j'arrive à retranscrire ce que sont les enfants dans une cour de récré. Ils vont dire « dégage bébé cadom », même si c'est un peu violent, « caca boudin », enfin des choses qu'on peut pas dire à la télé, quoi. Mais c'est une vie en parallèle de Simon dont je suis très contente et fière aussi, quoi. C'est un autre objet. Je pense que j'aimerais bien être soit Christopher Robin, alors c'est le personnage principal dans Winnie l'ourson. C'est le petit garçon en fait à qui il arrive toutes les aventures et j'ai été bercée à ça, mais ça a été vraiment une projection quand j'étais enfant. Et puis bien sûr Fifi Brindacier, parce que elle m'a apprise à être forte, à suivre mes désirs, à être la femme que j'avais envie d'être et à être indépendante financièrement, à m'assumer et à toujours mettre en place les choses importantes pour ce que j'avais envie de faire. Quoi. Et je pense que sans elle, j'aurais pas forcément été la même personne.